someone really loves you. Guess who? Someone really cares. Guess who? Voilà, c'était B.B. King. Et B.B. King va être le fil conducteur de toute l'émission de ce soir, consacrée bien sûr au blues. Le blues d'aujourd'hui, le blues de toujours finalement. B.B. King est en effet un des personnages les plus importants de cette musique, peut-être même le plus important. Son influence, elle est tous les jours dans la musique que l'on écoute au transistor, la variété française, la variété américaine, le rock'n'roll bien sûr, et aussi même le jazz. Depuis 13 ans que le festival de jazz de Montreux existe, B.B. n'était jamais venu à Montreux. Il est très occupé, il donne jusqu'à plus de 300 concerts par an. C'est vous dire sa popularité. Il a même fait une tournée en Russie avec un immense succès naturellement. B.B. King, je pense que ce bateau vous rappelle un peu le Mississippi et Memphis aussi. Le Mississippi est boueux. Ici, l'eau est claire. Le Mississippi fait aussi penser à Memphis et Beale Street, où l'on vous a donné votre surnom. Oui. On m'appelait le Beale Street Blues Boy. Petit à petit, on a abrégé. On a dit B.B. King. B.B. pour Blues Boy. Avec B.B., j'aimerais aborder un autre sujet. Il a en effet une grande amie, ce qu'on appelle une histoire d'amour. Une histoire d'amour qui dure depuis 30 ans. Avouez-le, c'est quand même relativement rare. Et la dame, the lady de sa vie s'appelle Lucille. Je vous la laisse découvrir. Je jouais dans une boîte qui s'appelait Twist Arkansas. C'était à peu près le seul endroit où on pouvait jouer. C'était pas grand, environ 200-300 places. The place was not a very large place, but you could get 200-300 people in overnight. And when it was cold, they used to set. Et quand il faisait froid, il y avait au centre un genre de poêle. It looked like a garbage pail. They'd sit it down in the middle of the floor, half fill it with kerosene, light that, and that's what we used for heat in the winter. Cette nuit-là, deux types commencent à se battre. L'un tombe sur le poêle qui se renverse et la maison prend feu. Tout le monde se précipite dehors, moi aussi. Et brusquement, je réalise que j'ai oublié ma guitare. Je retourne alors que la maison s'écroule. Le lendemain, j'ai su que deux hommes avaient été brûlés dans une chambre. Et j'ai appris aussi que les deux hommes qui se battaient le faisaient pour une femme. La cuisinière. Elle s'appelait Lucille.
Je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai baptisé ma guitare de son nom pour me rappeler de ne plus jamais faire de bêtises. C'est une vieille histoire qui remonte à 1949.
That was in your place. Come on!
Chicago. C'était Lonnie Brooks, 46 ans, originaire de la Louisiane. Lonnie Brooks était surnommé Guitar Junior, le nom qu'il avait pris pour ses premiers enregistrements en 1958. Et puis, comme la plupart des artistes du Sud, il est parti vers le Nord, on l'a retrouvé à Chicago, et son style est petit à petit devenu plus âpre, plus dur, très influencé finalement par les musiciens qu'il a rencontrés à Chicago. Du Nord, maintenant, on va retourner au Sud avec un Texan, Albert Collins. Il a 50 ans, un jeu de guitare très original. Malheureusement, ce n'est peut-être pas un très, très grand chanteur. Et c'est peut-être la raison pour laquelle Albert Collins n'a pas fait la grande carrière que certains spécialistes prévoyaient, malgré l'aide du groupe rock Canned Heat. Albert Collins est un homme de scène. Il va arriver à mettre dans sa poche même un auditoire blasé comme à Montreux où des fois les concerts sont un peu trop longs, il faut bien le dire.
like giving a band a hand, ladies and gentlemen. Thank you.
Clarence Gatemouse Brown, 55 ans, guitariste disciple de T-Bone Walker, violoniste élève de son père. Clarence est un musicien original qui mélange la musique country et le blues. Venu à Montreux avec sa pianiste, qui est aussi sa femme, et son dernier-né, il n'a pas oublié non plus son étoile de shérif, car Gatemouse Brown, déçu du show business au milieu des années 60, était devenu shérif de Durango, une petite ville du Colorado. Shérif, c'est beaucoup de travail pour vous ? Non, j'ai rien à faire. Je suis officiellement shérif honoraire. Alors je crois qu'on pourrait parler un petit peu de musique, d'accord ? À 5 ans, j'ai commencé la guitare. Puis, à 10 ans, j'ai appris le violon. Par la suite, la mandoline, l'harmonica, etc. Au début, je faisais du country, de la musique cajun et du bluegrass. Je ne savais rien au sujet du blues et du jazz. C'est en grandissant que j'ai appris. Je me considère comme un professeur et un musicien. I consider myself as a teacher as well as a musician. I don't like for people to dance. Je n'aime pas que les gens dansent quand je joue. Je veux qu'ils restent assis et qu'ils écoutent. C'est la même chose à l'église. Si vous vous levez et criez, vous n'entendez plus ce que dit le pasteur. But if you listen, you can understand what he's saying. So that's why I like for people to listen to what I'm playing so they can understand it afterwards. That's the difference.
sun. Thank you.
Hey, Turkey! Shut up! Now, woman, shut your big mouth and don't say a word. We're gonna fight back now for some crap I heard. Get over that corner. Pull off your coat. Before I take my knife and cut your doggone throat. Le blues, qu'est-ce que c'est pour vous? Une manière de vivre. Pour moi, c'est de la bonne musique pour tout le monde. La musique, c'est une manière de vivre, pas le blues. C'est rencontrer des gens, communiquer avec eux, les comprendre dans leurs problèmes de tous les jours. Thank you.
Mr. B.B. King. That dynamic gentleman of the blues, Mr. B.B. King. That dynamic gentleman of the blues, Mr. B.B. King. Dynamic gentleman of the blues, Mr. B.B. King. Let on in. Mr. B.B. King. That dynamic gentleman of the blues, Mr. B.B. King.